C'était le pire tournage de Ninja Warrior. Parce que nous avons des champions qui reviennent d'année en année. Puis on a beaucoup de candidats qui s'entraînent comme des dingues, qui rêvent de faire Ninja Warrior. Donc oui, il faut que le parcours soit difficile. Il y a peut-être quelques épreuves qui sont un peu trop dures. On va essayer de voir ça pour la saison prochaine, pour que ce soit peut-être un poil plus accessible. C'était le pire tournage de Ninja Warrior. C'était assez cataclysmique, à vrai dire, parce qu'on a eu des soucis météo terribles. En principe, à Cannes, il fait toujours beau. Bon, là, désolé, nos amis cannois, il n'a pas vraiment toujours fait beau. Donc, parfois, on avait des trombes d'eau au milieu de la nuit, ce qui fait qu'on était obligé d'interrompre le tournage. Parfois, il fallait faire des pauses d'une heure et demie. Il fallait sécher le parcours. On a des séchoirs géants qui font 2 mètres de diamètre. Donc, parfois, certains candidats passaient à 4 heures du matin et c'était pas facile pour eux. Elle passe son temps à manger des burgers frites. Moi aussi, ça me scandalise. Comment peut-on rester gaulée comme elle est en mangeant des burgers frites toute la journée? C'est l'injustice.